J'espère que c'est pas trop dur pour vous ce confinement. Je pense que oui, hein, c'est dur pour tout le monde. Hola amigos, j'espère que vous allez bien, que ce confinement n'est pas trop dur pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler un peu de moi. Oui, c'est vrai que je n'ai jamais fait de vidéo où je parlais de moi. Je pense que vous ne savez même pas comment je m'appelle vraiment. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vous parle de moi. Donc voilà, ça va être une vidéo où je vais me coiffer, je vais me maquiller en même temps. Et en même temps, on va papoter, hein. On va dire ça comme ça. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ça faisait un moment en fait qu'une copine me disait tu devrais faire une vidéo où tu parles de toi, où tu te présentes en quelque sorte parce que t'as pas fait de vidéo comme ça. Et c'est vrai que j'ai jamais fait, donc du coup je lui disais oui, faudrait que je le fasse. Donc aujourd'hui j'ai décidé de le faire et en fait c'est elle qui m'a préparé les questions auxquelles je vais répondre sur ma chaîne. Donc du coup bah je vais parler de moi et tout ça, hein. Ce que je vais utiliser, c'est une perruque que j'ai commandée sur AliExpress. C'est une perruque tressée déjà, j'en ai déjà parlé. Je supporte pas trop faire des tresses en fait. C'est pas que je supporte pas faire des tresses, c'est que quand je fais des tresses, je le garde pas longtemps. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant de faire des tresses, que ça prend autant de temps et au final de garder maximum une semaine. Donc voilà, bon, vous risquez de mon fils parce que il est là. Il me colle, cet enfant. Donc du coup, bah j'ai commandé cette perruque. Non, Léo, non. Va voir tes tunis là-bas. Tony, dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je vais pas faire de tresse parce que je n'ai pas envie de faire de tresse. Ça, dans la boîte de la perruque, ils m'ont envoyé avec un petit bonnet comme ça. Et je vais mettre ça comme ça. Vous voyez, la perruque, elle est déjà toute préparée, quoi. On va dire ça comme ça. Vous voyez, les tresses sont super longues. Voilà. Elle est super légère, la perruque. Le seul bémol que je pourrais relever, c'est qu'en fait, je pense que quand je vais mettre ça, on pourrait voir les coutures. Ici, vous voyez, c'est pas assez garni, mais sinon, la perruque, elle est très très belle, tressée comme ça. J'aime bien. Vous avez ça pour faire les bébières. Donc voilà, ça y est, j'ai déjà préparé ma perruque. Donc voilà, maintenant, je vais poser ma perruque. Donc, je vais commencer les questions. Première question, ton âge et ton prénom. Alors, mon âge, j'ai 30 ans. Oh non, j'ai pas 30 ans, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans et je m'appelle Elisabeth. Donc, du coup, je vais expliquer pourquoi j'ai mis Nel Moulat sur mon pseudo YouTube. Nel Moulat, en fait, c'est le prénom que ma grand-mère m'a donné. Nel, enfin, c'est Nélite et en fait, on m'appelle Nel, Nélite et du coup, bah, c'est resté. Certaines personnes de ma famille ne savent même pas que je m'appelle Elisabeth, ça veut juste que je m'appelle Nel ou Nélite. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu utiliser ça et pas utiliser Elisabeth parce que je trouvais que c'était trop long. Donc, du coup, bah, j'ai utilisé ça comme pseudo. Prochaine question. Tu as un accent. Léo! Mon Dieu, mon fils, il me démonte tout. Léo, arrête, Léo. Tu as un accent. Quelles sont tes origines? Alors, moi, je suis d'origine capverdienne. Je suis née au Cap-Vert. À l'âge de 10 ans, je suis partie au Portugal habiter avec mes parents, donc. Enfin, avec ma mère et ma soeur, parce que mon père y était déjà. Donc, on a rejoint mon père au Portugal. Et après ça, on est venu en France. Voilà. J'ai vécu toute mon enfance, le reste de mon enfance, quoi, au Portugal. Et après, on est venu ici en France habiter. Voilà d'où vient mon accent. Mais même, je trouve que j'ai pas d'accent. Enfin, je sais pas, c'est moi, hein, mais souvent, on me dit, ah, punaise, t'as un accent de dingue et tout. Mais c'est vrai que moi, je trouve pas que j'ai un accent. Mais bon, moi, je regarde pas trop la caméra. Mais parce que j'essaye d'accrocher ça comme il faut. Par contre... J'adore, c'est genre juste, bon ça, on peut pas laisser ça comme ça, mais je trouve ça trop trop beau. On dirait vraiment que je me suis fait des tresses. Bon, c'est des cheveux synthétiques, mais franchement, moi je vois, ça fait trop joli, j'adore. Donc moi je suis capverdienne, de nationalité portugaise, voilà. Donc montre-nous une photo de toi enfant et ado.
J'ai une photo de moi enfant. Je vais vous la mettre là. Je dois sûrement avoir des photos de moi au Portugal où je faisais des fashion faux pas. Vraiment. Et je me trouvais trop stylée en plus. Je dois avoir la photo là. Je vais vous montrer. Dans cette photo, j'ai un collant avec des trous rouges. Enfin, c'était le style du moment. Genre, c'était. On se trouvait trop fraîche avec mes copines quand on se mettait comme ça. Mais bon, pour l'époque, si t'avais pas genre ces chaussures là que j'ai au pied ou des genres de style comme ça, bah, ça veut dire que vous étiez out quoi. Donc voilà. Photo de moi, ado et enfant. Voilà ce que j'ai. Après, tes enfants sont métissés. Ton homme est lui-même métissé? Non, pas du tout. Mon homme, lui, il est d'origine. Non, ouais, il est né en France. Il a ses deux parents qui sont d'origine espagnole. Il n'est pas métissé, monsieur. Voilà. Le prénom de ton premier petit copain. Là. Ça date, hein, j'en ai pas eu mille. Hein. Alors, mon premier petit copain s'appelait Wilson. Wilson. Voilà. C'était au Portugal, hein. Voilà, il s'appelle Wilson. Je suis désolée, il faut que je gère fiston là. Il faut que je le gère, en même temps. C'est dur. Donc, et lui, par contre, il était métisse. Voilà. Voudrais-tu te marier un jour? Bien sûr que je voudrais me marier un jour. Bon, là, je vais me faire les sourcils, mais genre, je vais vraiment faire un truc vite fait. Genre, je veux juste remplir le vide, quoi. On va dire. Oui, bien sûr. Mais sauf que je me suis fait avoir. J'ai été trop naïve. J'ai fait des enfants avant d'avoir demandé le mariage. Donc, ouais. Je me suis fait avoir. Mais oui, bien sûr que je vais vous marier. C'est la base pour moi, le mariage. Moi, je comprends pas trop les gens. Mais après, on peut pas être tous pareils. Mais moi, je comprends pas les gens qui me disent « Moi, je veux pas me marier. Non !» Moi, il me faut la robe, la robe. Genre... je vous montre la robe que moi je voudrais pour mon mariage. Je me dirais, elle est folle. Si, là, là, si vous voyez qu'est-ce qu'il m'a fait là, mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je veux trop me marier. Mais moi, j'ai dit à monsieur en fait que je voudrais me marier. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me fasse genre, vous voyez, le mari, la demande de mariage à l'américaine. Genre, à, vous voyez, pas à l'américaine. Demande de mariage genre au milieu de plein de gens avec mes parents, genre la surprise avec monsieur à genoux genre pour me demander un mariage. J'ai fait part de mes conditions pour mon mariage. Il m'a dit si c'est ça que tu veux, bah tu auras jamais un mariage. Tu te marieras jamais parce que genre lui c'est genre le mec trop timide. Enfin timide, c'est un faux timide. Mais genre je sais que je ferai jamais un truc comme ça. Jamais il me demanderait en mariage au milieu de tout le monde, à genoux, ça c'est pas lui du tout. Donc ça je peux toujours rêver. Je vais me marier un jour ou l'autre. Même si c'est avec moi toute seule, eh ben je me marie un jour. Voilà. Je fais un maquillage vraiment simple. Parce que pour sortir, je mets pas les maquillages de fou pour sortir. Donc ça va être vraiment du vite fait. Quelle est la relation que tu entretiens avec ta mère? Moi j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère. On est très proche avec ma mère parce que... J'ai grandi avec ma mère, forcément. Mais c'est vrai que mon père, il travaillait en France, au Portugal. Nous, on a rejoint plus tard ma mère, mon père. Donc, c'est vrai que je suis très, très proche de ma mère. Voilà, bon, je suis proche de mon père aussi, mais je suis vraiment très, 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 très proche de ma mère. Donc, ouais, ma mère, c'est toute ma vie, quoi. Je suis pas du style à faire des déclarations tous les jours à ma mère parce qu'on n'est pas... Je pense que chez tous les blacks, on est un peu tous comme ça, à faire des déclarations, des je t'aime tout le temps à sa mère ou à son père. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'on devrait, hein, parce que les parents, c'est sacré, mais c'est vrai que... Ah, voilà. Mais ma mère, je l'adore, c'est toute ma vie. Voilà, c'est toute ma vie. Donc ouais, j'entretiens une relation très fusionnelle avec ma maman. Voilà. As-tu déjà triché un examen? Quelle question. Bien sûr. Tout le monde a triché dans des examens. Des petits mots dans les silos et tout ça, bien sûr. Oui. Tu as eu ton permis en combien de fois? Je l'ai eu, alors le code, je l'ai eu en premier, du premier coup. Et après, la conduite, je l'ai eu au bout de 3 fois. Voilà.
Mais en fait, c'est même pas que je savais pas conduire. C'est que le stress, en fait, a fait que je l'ai raté les deux fois. Parce que vous savez, quand vous arrivez et que le moniteur vous dit « Bonjour madame, votre pièce d'identité, installez-vous. » Avec cet air tellement d'arrogance sévère que du coup, on perd tous ses moyens. Et ben moi, les deux fois, j'ai tellement perdu mes moyens que du coup, je n'ai pas eu mon permis. Au bout de trois fois, j'ai eu mon permis. Alors, envisages-tu un troisième enfant? Non, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout, j'envisage pas d'avoir un troisième enfant. Deux, c'est déjà pas mal. Donc non, je veux pas. Peut-être, on sait jamais, hein. Je vais pas dire jamais. Mais c'est vrai que j'envisage pas d'avoir un troisième enfant. Non, du tout, du tout. Si ça vient, je prends. Mais je veux pas avoir un troisième enfant. Deux, c'est très bien. Ouf. C'est déjà assez de boulot. Donc non, non, non. Voilà, voilà. Le métier de tes rêves. Le métier de mes rêves. J'ai pas vraiment de métier de mes rêves. Bah, être ma propre patronne. Ça oui, c'est le métier de mes rêves, si on peut dire ça, métier. Ou sinon, être gardienne du Nil. Ouais, pas mal du tout ça. Ouais. Alors, quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Alors, la première chose que je fais le matin, très mauvaise habitude, je prends mon téléphone et je vais sur les réseaux sociaux. Petite toilette et après, je prépare le petit déjeuner de ma fille parce que je l'amène à l'école. Quand il est à l'école, en ce moment non, mais sinon, oui, voilà ce que je fais hein, quand je me lève le matin. Tes céréales avant ou après le lait? Attends. Tes céréales avant ou après le lait dans le bol? Quelle question! Le céréal avant? Qui pourrait faire ça? Mettre le lait avant le céréal? Non, ça c'est un péché, on peut pas faire ça. Non, 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 non. Même ma fille, elle sait qu'il faut faire, il faut mettre le céréal et après mettre le lait. C'est la base, quand même. Pour ou contre le défrisage? Contre. Contre à 100%, à 1000% même. Moi, ça fait très très longtemps que j'ai arrêté le défrisage. En fait, j'ai arrêté le défrisage quand une fois j'ai fait une décoloration. Et après, j'ai fait un défrisage. Mes cheveux, c'était du chewing-gum, je faisais ça, ça tombait dans l'eau. Donc après ça, j'ai plus jamais fait de défrisage. Et pourtant, je le savais qu'il fallait pas faire ça. Mais moi, quand je veux un truc, eh ben, faut que je le fasse tout de suite. Sinon, je suis pas contente. Donc du coup, j'ai fait ça, plus jamais de ma vie. Donc du coup, depuis, j'ai arrêté. Et même le défrisage, c'est pas bon pour nos cheveux. Ça nous abîme les cheveux, ça sert à rien de faire des trucs comme ça. On a des très beaux cheveux. Voilà. Et puis même, quand on n'a pas envie de laisser nos cheveux, on a juste à tricher. Par exemple, vous voyez, en mettant les perruques. Enfin, on peut faire plein de choses. Donc le défrisage, il faut arrêter, les gars. Et après même, ça fait tout plat quand vous défrisez les cheveux. Non, je suis pas pour du tout, du tout. Ta chanson du moment, ma chanson du moment, c'est... je vais vous mettre un petit extrait. Ta tenue officielle pendant le confinement? Pyjama. Ah ouais, ouais. Pyjama toute la journée. Voilà ma tenue officielle. Ton mec, il est jaloux? Non, il n'est pas jaloux parce que on se fait confiance. Et donc, non, je ne vais jamais, comment dire, donner des raisons d'être jaloux. Donc, non, il n'est pas jaloux. Non, non, je peux pas. Enfin, toute personne qui aime une autre personne est quand même... dans le fond, un peu jaloux pour moi. Mais il y a des façons de montrer sa jalousie, en fait. Donc, non, il est pas du genre à me faire des crises de jalousie, à me dire, ouais, tu fais quoi, tu vas où, avec qui tu vas. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je lui fais confiance, il me fait confiance. Donc, non, il est pas jaloux. Combien de frères et sœurs tu as? J'ai un frère et deux sœurs. Voilà. Et moi, je suis l'aînée. Parce que la question d'après, c'est, tu es l'aîné? Oui, je suis l'aîné. Après, ta couleur préférée? Le noir. Noir, la base. La base pour moi en ce moment en plus, parce que ça cache tous mes rondeurs. Enfin non, ça camoufle mes rondeurs, donc ouais. Le noir, de base. Cap ou pas cap de manger un aliment que tu détestes? Si oui, je suis capable de manger quelque chose que je déteste. Si j'ai pas le choix, bien sûr.
Parce que si c'est le soir, bien sûr que je vais pas manger. Alors, après, tu fumes? Non, non, je fume pas. J'ai jamais fumé. Oui, fiston. Donc, non, ça m'attire pas. Ça ne m'a jamais attiré de fumer. Donc, ouais, non. Voilà. Bon, donc là, je vais faire un genre de BBR. En tout cas, la perruque, elle est vraiment super sympa. J'adore. Pour rencontrer le poil sur le torse. Ça me dérange pas. Ça, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Non. Après, il faut pas que ça fasse genre... vous voyez, long comme ça, quoi. Mais sinon, non, ça me dérange pas du tout. Non, 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 ça me dérange pas du tout. Alors, ça fait homme. Voilà. Après, prochaine question. De combien de centimètres sont tes talons? 10 centimètres. Je suis grande en plus. Je crois que 10 centimètres, je dirais. Moi, de toute façon, les talons, je mets surtout quand je sors. Je mets pas souvent des talons, à part quand je sors. Donc, ouais, voilà, quoi. Après, tu es plus jupe ou robe? Et pourquoi? Ah, moi, je suis plus robe. Moi, je préfère les robes. Déjà, je trouve que c'est moins casse-tête, parce que c'est une pièce. Au moins, tu mets et c'est fait. Donc, ouais, moi, par exemple, l'été, c'est que robe que je mets. Tout le temps, je mets les robes. Voilà, parce que j'adore, c'est simple, c'est vite fait. J'adore la simplicité, le rapide. Ça, pour moi, c'est la base. J'adore. Donc, ouais, je préfère la robe que les jupes. Es-tu déjà sortie en pyjama pour récupérer tes enfants à l'école? Non. Je suis jamais sortie en pyjama pour aller récupérer mes enfants. Non, 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 je suis désolée. Un minimum, quand même. Pyjama, c'est fait pour être mis, pour aller au lit ou pour être chez soi, pas pour aller à l'école avec. Non, il faut quand même faire un minimum d'efforts. Donc, non, 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 jamais. Pyjama, pour moi, ça fait tellement négligé. Ça fait, je sais pas. Après, bon, chacun son délire. Voilà, ça y est, les questions, c'est terminé. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux avec mon fils qui crie là, à côté de moi. Voilà, je trouve vraiment, genre, ça fait super joli. C'est trop beau. Waouh. Mais genre, je trouve ça trop beau. Ça fait trop canon. Crazy beats. C'était mon nez, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions peut-être que vous vous posez sur moi. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si jamais vous voulez savoir d'autres choses sur moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse très très fort. Bye.